Eh bien, Blomiewé qui remporte sa sixième victoire ici chez nous. Si vous l'avez oublié, eh bien, on s'en souvient, c'était l'une des révélations de la saison dernière où il avait été sur, avant de rentrer dans la Coupe d'Or contre les meilleurs de l'élite et sur un parcours qui n'est peut-être pas le meilleur pour lui. Il est resté invaincu sur 5 victoires consécutives. Eh bien, aujourd'hui, Soubou, vous vous dites que avec du recul, que vous avez pris la bonne décision, puisque ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Oui, il a montré une autre visage complètement aujourd'hui. Et je dois remercier Goumani qui a fait une montée extraordinaire. Il a raté le départ et il a gardé son sang-froid et il a monté une très très belle course. Le cheval était bien. On avait un petit hope chez lui et on ne peut que être content de cette victoire. Alors c'est vrai qu'au moment que les boîtes s'ouvrent et le voir rater son départ, vous avez certainement l'impression que le monde s'arrête, puisque c'est vrai que c'est un cheval qui était allant, qui aime partir en tête du peloton. Et là, c'est vrai que Guirich fait une course fantastique. Oui. Après la semaine dernière, la sixième course, on avait deux chevaux qui ont joué de la marchand. Je dis, mais ça continue. Mais non, Guirich a monté une très belle course. C'était un galopin. Et on lui a dit, ben, il faut que le cheval s'aide un peu de son pas. Il l'a fait, il a bougé le cheval exactement où il fallait. Et le cheval a été exactement au rendez-vous. Alors, est-ce que vous sentez qu'il a encore progressé par rapport à l'année dernière, l'intersaison aidant? Je veux dire un peu oui, parce qu'il a travaillé extrêmement bien pendant ce mois-ci. Et je pense que, après cette course-là, je dois dire oui, il a très bien progressé. Alors sinon, un nouveau qui débute pour vous, Impressed. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui, Soubou? Impressed a été un peu green à sa première barre trial. Il est venu avec une bonne réputation, mais j'espère qu'il fait une bonne course. Eh bien, on l'espère aussi. Bravo. Donc, superbe Blomiewé, donc qui remet un peu les pendules à l'heure. Hein, lui qui avait été battu dans la Coupe d'Or à poids d'âge, aujourd'hui revient donc dans une catégorie supérieure chez l'élite et remporte donc une très très belle victoire avec la manière en plus, une montre d'anthologie signée Guirich Goumani.